Bonjour à tous. Partenaire de ces envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Florian et ensemble, nous allons découvrir une séance pour les 6-12 ans. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un ballon par personne. Donc si vous êtes un parent, un enfant, il vous faudra donc deux ballons. Pour débuter la séance, on va s'échauffer. Pour s'échauffer, nous allons avoir un ballon chacun. Nous allons procéder au jeu du miroir. Vous allez vous placer face à face. L'un d'entre vous commencera à réaliser l'exercice et la personne qui sera en face de vous fera le miroir. Elle va donc devoir réaliser l'ensemble des mouvements que vous allez proposer. Pour ça, vous allez utiliser votre ballon et vous allez essayer de faire des mouvements amples. On va passer au prochain exercice. Le prochain exercice va solliciter les abdominaux, c'est ce qu'on appelle l'abdo-ballon. Vous allez vous placer dos à dos avec votre enfant, tout en gardant le ventre bien serré et bien contracté. Vous allez faire passer le ballon d'un côté, votre enfant va le récupérer et vous allez récupérer le ballon de l'autre côté. Notre prochain exercice, c'est le flexion ballon. Vous allez toujours être dos à dos avec votre partenaire, les jambes fléchies, et vous allez vous faire passer le ballon en passant entre vos jambes. Vous gardez toujours une légère flexion sur les jambes pour garder à solliciter l'ensemble des membres inférieurs. Le prochain exercice est l'exercice du pédalo. Vous allez vous mettre face à face, assis et en appui sur les avant-bras. Vous allez ensuite se faire toucher vos pieds et vous allez effectuer des mouvements de pédalage comme si vous étiez au lac sur votre pédalo. Vous allez enchaîner cet exercice pendant 30 secondes. Régulièrement changer la rotation du pédalage. Veillez à garder les abdominaux bien serrés
et vous pouvez même chanter une chanson avec votre enfant pour que cet exercice devienne ludique. Pour complexifier un petit peu la situation, vous pouvez utiliser un ballon. Vous allez mettre en appui le ballon entre vos plantes de pied. Le but du jeu, ça va être de faire des mouvements de rotation sans faire tomber le ballon. Dessinez le plus grand cercle possible. Veillez à garder les abdominaux contractés et à ne pas faire tomber le ballon. Vous pouvez faire 5 rotations dans un sens, puis 5 rotations dans l'autre. Pour notre dernier exercice, on va se positionner en pont, c'est-à-dire en appui, sur les plantes de pied et sur les omoplates. Vous allez, avec votre partenaire, vous faire passer le ballon pour que celui-ci fasse des tours autour de vous. C'est un exercice qui sollicitera les fessiers. Le but étant de garder le bassin le plus droit possible. Et vous pouvez également changer de sens régulièrement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a convenu et que vous avez pu travailler efficacement. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.